Leçon 10. Pardon, monsieur. Le musée du Louvre, c'est par où ? Ouh là là, vous êtes loin. Prenez le métro. Je n'aime pas le métro. Alors allez-y en bus ou à vélo. Il y a des Vélib au coin de la rue. Non, non. J'y vais à pied. Bien. Alors passez par là. Traversez le boulevard Haussmann et prenez la rue Scribe en face de vous. Tournez à gauche dans la rue Aubert. Passez devant la poste et la banque et vous arrivez place de l'Opéra. Ça va ? Oui, oui. Ensuite, prenez la grande avenue en face et continuez tout droit, jusqu'au bout. Mm-hmm. Et après, traversez la rue de Rivoli et entrez dans la cour du Louvre. À droite, vous avez le jardin des Tuileries et à gauche, le Louvre. L'entrée du musée est sous la pyramide. Merci. Les Vélib, c'est où ? Pardon, monsieur. Le musée du Louvre, c'est par où ? Oh là là ! Vous êtes loin ? Prenez le métro. Je n'aime pas le métro. Alors, allez-y en bus ou à vélo. Il y a des Vélib au coin de la rue. Non, non, j'y vais à pied. Bien. Alors, passez par là. Traversez le boulevard Haussmann et prenez la rue Scribe en face de vous. Tournez à gauche dans la rue Aubert. Passez devant la poste. Et la banque, et vous arrivez place de l'Opéra. Ça va ? Oui, oui. Ensuite, prenez la grande avenue en face et continuez tout droit, jusqu'au bout. Mm-hmm. Et après, traversez la rue de Rivoli et entrez dans la cour du Louvre. À droite, vous avez le jardin des Tuileries et à gauche, le Louvre. L'entrée du musée est sous la pyramide. Merci. Les Vélib, c'est où ? Communiquer. Activité 5. Dialogue 1. Excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît. Oh là, la gare ? Mais c'est loin. Vous êtes à pied ? Oui. Eh bien, prenez un taxi. Ou le bus. La ligne 10 passe devant la gare. La ligne 10. Bon, d'accord. Merci, madame. Dialogue 2. Pardon, madame. Je cherche la poste, s'il vous plaît. Oh, ce n'est pas loin. Vous prenez la première à gauche, vous allez tout droit, et c'est au bout de la rue, sur la place. J'y vais à pied ? Oui, bien sûr. Dialogue 3. Salut Tristan, tu vas où ? Au lycée. Ah, moi aussi. Tu y vas comment, toi ? À vélo ? Non, non, en métro. Ah bon ? Tu ne prends pas le bus ? C'est direct ? Oh non, c'est loin en bus. Bon, d'accord. Prenons le métro. Prononcer. 1. A. Vous êtes des étudiants. B. Vous avez des affiches. C. Vous allez chez vos amis. D. Elles ont des euros. E. Ils entrent dans un hôtel. 2. A. Il est à l'hôtel. B. Elle a un chat. C. Il y a un musée. D. Il entre à l'université. E. Elle habite au troisième étage.